La charpente peut travailler quand même. Bonjour au commandant, vous êtes, c'est vous qui coordonnez les opérations de secours ce matin à Saint-Brieuc-de-Moreau. Pouvez-nous dire un petit peu ce qui s'est passé et les moyens mis en œuvre ? Nous avons été appelés vers 7h30 ce matin pour un feu à l'église de Saint-Brieuc-de-Moreau, effectivement. À l'arrivée des secours, la partie haute de la toiture était totalement embrasée et nous avons procédé à l'extinction au moyen de 4 lances, dont 2 sur l'échelle. D'accord. Les opérations actuellement, c'est du déblaiement qui est en cours. Oui, la phase active d'extinction est terminée, les reconnaissances se poursuivent. Nous sommes dans la phase d'opération de dégarnissage, déblai et protection des biens, c'est-à-dire protection des installations de l'église elle-même. D'accord. Et quels ont été les moyens engagés ? Alors, au total, nous étions 3 fourgons, 2 échelles et la chaîne de commandement. D'accord. C'est des centres de secours venus de tout le département, quoi. Oui, vous avez en première intention Moron, la Trinité Port-Ouette, Le Hermel, Questembert, Locminé et Vannes. Ok. Donc actuellement, bon, il est 10h, un peu plus de 10h, les opérations, enfin, l'incendie est circonscrit en tout cas. Ah, l'incendie est éteint. D'accord, donc tout est sécurisé.